Bonjour à tous, tout le monde. Attends, je vois pas que ma vidéo est apparue. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, si ça commence. Quand je me disais, il apparaît plus tard. Bonjour à tous, tout le monde, c'est Angèle et aujourd'hui nous allons faire une vidéo de déballage de l'édition 6 édition de Little Nightmare. Voilà, voilà, ce PS4, bien sûr, je l'ai pris. Voilà, un jeu, si je comprends bien, c'est un jeu indépendant fait par Namco Bandai ou un autre développeur, je sais pas du tout. Donc voilà, je l'avais pris parce que ça coûtait pas crochet ce collector, donc je vais le prendre au cas où. Voilà. En plus, c'est fait par Namco Bandai. Donc voilà. On va commencer ça tout de suite pour le patastement. Alors, on peut voir que la boîte contenait le. Voilà, une petite gros figurine. Vous pouvez aussi la voir, l'édition 6 éditions sur PC et sur Xbox One. Moi, je pense sur PS4 pour ici. On a un écran derrière ici. Un écran derrière là. Écran là. Le contenu de l'édition, dans la cranche là, vers la droite de la boîte de devant. Oula, c'est à le tenir à l'envers. Je fais ça tourner à l'endroit. Attends, je vais relire le live. Non, oui, non, il est en franc. Là, par contre, il fait mauvais qualité. Ou alors c'est ma vidéo qui fait cet effet. Pourtant, j'ai la flip pour ça. Oh, bon, c'était au pire, tant pis, c'est pas grave. C'est au moins j'aurais testé. Hop. Alors, on continue. Ah, le petit gros bois dessus. Alors, c'est mieux que je fasse plutôt avec la caméra pour une prochaine fois. Mais bon, j'avais envie d'essayer. J'avais la flemme encore une fois. Hop. Le petit contenu du jeu. Tout en multilingue. De l'édition 6 éditions. Explorer un monde mystérieux et envoûtant où un simple doute peut vous mener à une fin tragique. Embarquer dans une aventure sinistre et affronter vos peurs d'enfant dans un conte sombre et singulier. Et des 6 à échapper de l'encre, un écran vaisseau aux allées de maison de poupée. Voilà, petit que l'éternatement qui veut dire petit cauchemar. Un jour qui. Alors, ça, on voit que ça se joue un joueur. Hop, je vais voir si je peux afficher correctement. Oh, ouais, ça devait aller. On voit que ça se joue un joueur qu'il faut 2,57 GB minimum du HOK Fibration Out, Remote Play PSK Pro en 107. On va recommencer ça, oui. Alors le faux qui est en tout en cache. Là, on peut revoir que sans la cache, la fibre. Et d'ailleurs, on a un œil. Avec un autre personnage qui avait un chapeau. C'est une fille ou un garçon, c'est là. Et des 6 à chaper de l'encre. Non, rien ne l'explique en fait. Bah, c'est une petite fille qu'on contrôle. Présent un œil. On va commencer à ouvrir tout de suite. Hop. Hop, voilà. On va commencer par la figurine de la petite fille qui apparaît. Vous en contrôlez pour jouer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit livret qui est. Attends, il faut que je regarde le contenu. Un comic strip. Voilà, on a le jeu, le comic strip.
Un comic strip, voilà. Donc ça, je m'y attendais pas qu'il propose un script dessus. C'est juste une bande dessinée, mais en version, mais avec des tests English. Ah, dommage que je peux pas. C'est dommage, je m'attendais, je pensais qu'on aurait du français, mais non, c'est du English. Petit comics sympa, tout en couleur. On peut avoir la version complète dessus. Il y a une pub pour la version complète. La caméra PC. Quoi d'autre nous avons? On n'a plus rien dedans. Le jeu, tout en boîte. Vous l'avez aussi ce PC et Xbox One. Moi, je la pense PS4 pour celui-ci. Avec le fameux USK 12, parce qu'encore une fois, c'est multilangue. Là, on a encore du English et du français et d'autres langues. Jouez avec vos enfants. Il n'y a que un test pour le français. C'est tout. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Game test, du achat packer. Le même truc que la boîte. Voilà, on a retiré le plastique. Alors, il paraît qu'il y a un OST dedans. Alors, il y a le jeu. L'original son crack. Il y en a 24 morceaux. Enfin, je retourne à la voix à la diffusion que si la qualité est bonne. Sinon, je retournerai à l'ancienne pour les vidéos où je vous montre des objets. Tout dans un carton fourreau. Nous avons des stickers, des autocollants. Moi, j'appelle des autocollants, moi. Allez, on va pas s'embêter. Faut que j'entends les tests. C'est tiens, je l'ai oublié de vous le faire. Et un poster. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a dedans dans la boîte. Je vais ranger le tout craque, il n'y a plus de place. Alors, on va répéter ce qu'il y a dedans. Je vais vérifier que tout y est. D'ailleurs, alors, on va répéter ce qu'il y a dedans. On a le comic script, la son crack, le jeu, avec dedans le poster que je l'ai mis dedans, et le sticker avec aussi. Et là. La petite figurine, voilà. Hop. Ouh là, gros visionnage, alors que j'ai bientôt fini.
Alors, je vais tout ranger tout ça. Salut à toi, Clézy. T'arrives un peu en retard, je viens de finir mon cri tout le contenu. On va tout ranger, on va voir ce que je peux ranger tout ça. Alors, Little Nightmare, les costumes. Alors, le jugement, je vais ranger ça. Que 10 minutes ton tweet. Ça ne fait que 10 minutes, c'est impossible. Ah, ok. Voilà, j'aurais dû vous faire un tweet ou je vais vous faire bientôt un live, mais bon, j'étais pas sûr que je vais le faire. J'ai peur de ne pas tenir la promesse, donc j'ai peur de. C'est pour ça que je ne tweete pas. J'aurais bien aimé j'aurais envie en fait, mais j'ai peur de ne pas réussir à le tenir. Quoi d'autre? La figurine que je vais le ranger dedans, tranquillou. Quoi d'autre je vais laisser? Je pense que je vais laisser le scriptbook. T'as quelque chose à me dire avant que j'arrête le live? Je dois pas te faire crever longtemps, longtemps. Ou si vous avez des questions sur le collector. C'est ma première fois que je fais un live sur ce déballage. Prochain live, je dois vous faire les achats otaku. Mais j'attends ma commande. J'attends ma commande d'Amazon. Pourquoi les résultats concours? Probablement la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc voilà. Au pire des cas, vérifiez à chaque fois la vidéo. Ma vidéo de résultats concours. Vous verrez que vérifiez dans les résultats concours. Je mettrai un commentaire quand j'aurai trouvé la date. Il se peut que je trouverai une date dans ma tête et je vous le propose. Tu devais plus faire de vidéo test. De vidéo test, tu veux dire essayer avant de faire du live, c'est ça? Ou tu veux dire des tests de jeux vidéo? Il coûte dans les crans 5 euros. Comme ta dernière vidéo à vie, des tests de JV. Des tests de JV, ok. Ok, bah, j'ai pas une envie pour l'instant. J'aimerais finir platiner mon coffre 14. Ceux-là, je vais les ranger dans le collector, ça sera bien mieux. En tout cas, si vous voulez savoir la date, il faut vérifier à chaque fois ma vidéo. Je mettrai un commentaire il se peut que je mettrai un commentaire pour dire que j'ai enfin trouvé la date pour le faire. Donc, pour vous faire les résultats. Et il y aura probablement un live comme ça, quand ça, vous pouvez intervenir dans le live. Bon, je vous laisse poser les questions le temps que je range les choses, le collecteur dans mes affaires.
Attends, je vais remettre mes écouteurs. Si je te l'ai dit, Clédic, je te l'ai dit dans le live, c'est 35 euros. Attends, je vais te l'écrire si tu veux pas. 35 euros. Hop. Alors, comment ça se passe? Putain, pour modo, pas crochet les midis. Ben, je suis en vacances, donc je ne peux pas te dire. Je reprends mon travail mardi prochain. Vous avez encore d'autres questions? Clésie qui me dit merci. Ah bah ça va alors. Il est vacances. Ouais. Il est vacances. Mais ça n'a pas duré longtemps. Je reprends mardi prochain. Ah, je t'aime. Oh, si ça continue, ça va devenir le live blabla, encore une fois. Ah, bonne nuit à toi, Yellow. Yellow Game. Pour les prochains lives, j'ai à vous faire ma vidéo mes achats d'otaku de mes jeux. Oui, très content. À part quelques questions qui m'ont un peu gêné, mais voilà. Pour moi, la semaine prochaine, il faut que j'attende mes commandes Amazon. Je pourrai les faire pour mes vidéos achat otaku avril. En espérant, j'aurai pas mes parents qui me gênent. Au pire des cas, ce sera une vidéo classique. Ce sera pas à l'ancienne. Ce sera pas en live. J'hésite, hein, parce que je ne sais pas si ça en vaut la peine en fait des lives. Et ce sera bien si vous pouvez, quand la vidéo sera rediffusée, de regarder si ça va bien pour la pour si ça va bien, si mieux que je fasse des vidéos déballage en live ou je dois faire à l'ancienne. Comment t'as connu Padawan? J'ai pas encore regardé la vidéo de Padawan. Voilà. Et aussi, je t'ai pas répondu, le mec de Dijon. Il avait pas posté sa vidéo de rediffusion où j'ai discuté avec lui ce Bézec, j'avais aimé le discuter. Le revoir ma rediffusion, il l'a pas fait. Et ça, c'est un par contre, c'est un des multi, un petit peu mes coups de gueule, mais voilà. Bon, bah, moi, c'est bien, c'est quand ça, parce que j'avais quand ça, je sache pas trop, mais bon. J'avais bien aimé relire comment j'étais et j'ai pas pu. Et relire les questions des gens, j'ai pas pu les lire parce que j'étais stressé à cause de mes parents. J'étais obligé de me concentrer, de me concentrer à mon ton pour pas déranger mes parents qui dorment. C'est pour ça que je parlais moins fort avec lui, avec DG. Mais si tu dis pas, il faut que je regarde. Bon, je vais y mettre et blablabla. Hop.
Comment t'as connu Badawan et quelles sont tes vidéos de sa chaîne? Ben, je peux pas te dire, je connais Badawan à peine, je viens d'inscrire. Je connais Badawan, il était venu sur ma chaîne. C'était pendant un live où je parlais de mon avis sur Nintendo Direct. Et Padawa est venu. Au début, je le connais. Au début, je le connais pas du tout. Je le connais vraiment, mais vraiment pas du tout. Je l'ai pris un peu. Je dois avouer, je l'ai pris un peu pour Keku, bon, quelqu'un qui est sorti de nulle part, un crawl. Mais finalement, je l'ai tombé sur lui par hasard quand j'ai vu Stas en ami PSN qui a encore fait un live dessus. Il était venu. Il y avait beaucoup de discussions. J'ai fait coucou et on a fait. Et voilà. Et j'étais abonné sur sa chaîne. Heureusement, on pouvait abonner direct sur sa chaîne sur le système PS4. Pas besoin d'aller sur YouTube. Sur YouTube. Et je suis tombé. Et c'est là que j'ai regardé. C'est ma liste des abonnés. C'est qui que j'ai ajouté en ami, en abonné. Et c'était lui. Et donc, voilà. Non, j'ai pas Discord. Je suis déjà allé une fois à Discord, dans un point groupe. Je ne suis plus allé depuis longtemps. Donc et je ne sais pas comment ça marche le système. Il faut que je connaisse faut que je connaisse le site. Je ne sais pas, mais à Dijon, je suis assez sollicité. Non, je ne suis pas d'origine espagnole. Je suis complètement française. Ah, faut que je m'y remette. Je dois rater plein de mises à jour. Je dois dû rater plein de mises à jour. Et je crois que le site est devenu français. À l'époque, quand je suis allé à Discord, il était encore anglais. En tout cas, non, je ne suis pas d'origine espagnole. Je suis d'origine française. Et j'adore l'Espagne. Olé, olé! Youhou! Non, je suis pas du tout un génie. T'as pas des questions plus intelligentes que des questions bêtes? T'en voulais de baisser. Alors, l'Espagne, c'est cool. On a même vu ce Xbox 360. Bon, je crois que je vais arrêter là. Je pense que je vais arrêter là. J'ai envie d'arrêter tout de suite. Si tu as des questions. Non, jamais vu Berserk. J'ai vu un Interlude. Il m'a donné envie, mais j'ai pas eu du temps pour m'y concentrer. Non, c'est bon. Ok, Glizzy. Ouais, peut-être. En tout cas, peut-être je annoncerai Twitter, mais je ne suis pas sûr d'en y remettre.
pas sûr que je vais réussir à le faire ce live. Donc voilà, c'est bon. C'est mieux que je fasse des lives à improvise. Selon mon envie, je peux pas toujours prévenir, c'est pas sûr que je vais le réussir. Dis-moi pour Discord que je t'invite dans le Discord avec Dazer et l'équipe. Dis-moi pour Discord que je t'invite dans l'équipe, dans le Discord avec Dazer et l'équipe. Bonne nuit à toi le mec de Dijon. Bonne nuit à toi, Clizy Violette. Clizy qui n'est pas Violette. Non, c'est une blague. Clizy Violette. Tu penses quoi de Kayane? C'est une fille sympathique. Mais s'il fait partie un peu des journalistes où elle n'a pas le temps de se consacrer sur ses jeux, dans ses connaissances, elle est invitée tout le temps. T'as cru, c'est qu'il a un manque de connaissances, je pense. Je sais pas. Je sais pas. Je connais pas très bien assez Kayane. Je vais pas dans le monde de la télé. Je ne vais plus à jeuxvideo.com, je ne vais plus à Game One, voilà. Enfin, à Game One, je suis allé que pour regarder des animes il y a longtemps, mais pas pour regarder des émissions comme ça. Je sais pas comment t'expliquer. Hein. En tout cas, je la trouve mignonne, la fille. Oui, comme j'ai un des looks. Quand on se consacre son métier, je sais à cause un peu ça, c'est à cause de ça, voilà. Faut pas en vouloir à la personne, c'est sa chance de sa vie, hein, vous savez. Donc, était bien. Au moins, j'aime bien beaucoup Marcus. Lui, il n'a pas changé. Hein. Il n'a pas trop changé. Hein. Alors, tu m'as dit, dis-moi pour Discord que je t'invite dans le Discord avec Dazel l'équipe. Il faudra qu'on discute ça, ce Twitter. Et qu'il faut que j'en manque un peu avant de te demander ça. Bon, je vous dis à tous, bonne nuit à tous.